Ophélia Kolb, première. What you gonna do wanna say my name? Come and take it closer, babe. Audrey Lartigue, qui est avocate en droit aux affaires de la famille, elle travaille dans le cabinet de sa mère et de Sofia Lorenzi, qui s'appelle Lartigue et Lorenzi, le cabinet. Donc toutes les deux sont associées. Audrey, elle ne l'est pas encore. Elle est mère d'une famille de deux enfants. Elle vit avec son époux, enfin non, avec le père de ses enfants. Et elle attend un troisième enfant. Voilà, j'en dirai pas plus, sinon je spoil tout. Faire attention. Déjà avoir deux enfants dont elle s'occupe énormément, enfin autant qu'elle peut, sans beaucoup d'aide de la part de son compagnon. Pourquoi c'est toujours moi qui appelle ? Allô, Paul ? Oui, tu peux aller chercher Clara à l'école, s'il te plaît ? Bah, mal à la tête, un peu de fièvre apparemment, pardon. Oui, ne quitte pas. Voilà. Téléphone. Oui, Paul ? Mais t'es chiant ! Oui, bah moi aussi j'ai des clients, figure-toi ! Elle doit affronter aussi le fait d'être enceinte dans un cabinet qui travaille énormément, ils sont très actifs, donc, mais elle veut continuer jusqu'au bout à travailler, même enceinte. Tu peux me dire comment tu vas rattraper l'audience que t'as annulée au dernier moment ? Et alors, c'est mon problème ! Non, j'ai jamais bâclé un dossier à cause de ma vie de famille, ça va pas commencer aujourd'hui ! Elle est très généreuse puisqu'elle s'occupe de chaque dossier d'une manière... elle met tout son cœur, toute son âme, toute sa vie pour s'occuper de ses clients et pour gérer tout ça. Je ne sais pas si c'est un défaut non plus, mais elle est maladroite. Peut-être qu'elle manque de délicatesse parfois. Qu'est-ce que vous faites dans les toilettes des femmes ? Des défauts. À part celui-là, elle doit en avoir plein que je ne vois pas. Peut-être que j'ai nié les... je fais un déni et peut-être qu'en fait elle est insupportable, mais je m'en rends pas compte. Son travail en tout cas, elle aime passionnément son travail. I think about you, I think about me, baby you're gonna think my life.